Sapo, petit connu, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, mes meilleurs voeux à vous et votre famille, surtout plein de réussite. Ok, donc nous sommes maintenant dans une nouvelle année, donc je souhaiterais que vous oubliez votre passé, parce que les erreurs que nous avons faites l'année dernière, elles vont seulement nous servir à avancer plus loin et d'une meilleure façon dans cette nouvelle année. Ok, donc comme je viens de le dire, cette année, on oublie ce qui s'est passé avant. Vous prenez seulement ce dont vous avez besoin pour aller plus loin, pour atteindre vos objectifs et aller de l'avant. Je veux que vous regardiez dans votre miroir et que vous vous dites « Je suis capable de faire ça. Moi, je suis capable de le faire. » Laisse la peur s'en aller, l'anxiété, tout ce qu'il peut y avoir autour de toi, cette négativité, je veux que tu l'enlèves, je veux que tu la gommes. Cette année, c'est toi et seulement toi. Tu vas y arriver, tu dois y arriver. Et tu le feras. Et c'est un nouveau toi, donc nouvelle année, un nouveau toi. Donc sois fier de ce que tu as déjà fait, sois fier de ce que tu vas faire et marche comme si tu savais que tu allais y arriver. Marche droit, tiens-toi droit face aux autres. Aie confiance, montre ta confiance en toi et en ce que tu sais faire et en ce que tu vas faire. Concentre-toi, sois focus, marche le torse bombé, pas par arrogance, mais pour te donner cette sensation d'aller vers l'avant et que rien ne peut t'arrêter. Cette année, c'est ton année à toi pour être heureux. Tu peux être heureux. Le bonheur n'existe pas seulement sur Instagram parce que tu suis des gens, des stars qui sont heureuses, qui roulent en grosse voiture, qui partent tout le temps en vacances. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux être heureux. Et cette année est faite pour que tu sois heureux. Donc crois en ça, crois en toi, crois en cette nouvelle année. Tu vas y arriver, peu importe, que ce soit avoir ton diplôme, que ce soit monter ta société, donner un nouveau départ dans ta relation. Toi aussi tu peux avoir un mariage heureux, tu peux avoir une vie au travail heureuse, t'entendre bien avec tes collègues, avec ton patron. Pars pas de manière négative, pars de manière positive. Et je te le dis, ça va bien se passer pour toi, tu vas le faire. Et moi j'ai confiance en toi. Cette année-là, elle est pour toi. Je te le dis, elle est pour toi. Et souvent on me dit, ouais, The Don, j'ai envie de perdre du ventre, The Don, j'ai envie de muscler. Cette année, vous allez y arriver. Cette année, on va y arriver tous ensemble. Je vais vous donner la force d'y arriver parce que je sais que vous pouvez y arriver. Ce potentiel est caché en vous. Et cette année, 2018, elle est faite pour que vous accomplissiez tous vos désirs et tous vos projets. Je vous le dis donc, ayez confiance en cette année. Vraiment que vous laissiez cette peur de ne pas y arriver de côté. S'il vous plaît, faites ça. Laissez cette peur, laissez cette anxiété et foncez, tentez. Au moins, si vous n'y arrivez pas, il n'y aura pas de regret. Et laissez cette peur de ne pas y arriver de côté et faites les choses. Faites des choses. Arrêtez de parler et faites. Cette année, c'est votre année. C'était The Don Trainer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez faire un tour sur mon Insta que vous trouverez en fin de la vidéo. Pensez à vous abonner. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à commenter aussi. Et puis, on se dit à lundi prochain. Peace.